nous sommes présentement à Yopougon. Comme nous l'avons signifié, nous sommes dans le cadre des travaux de réhabilitation dans le district d'Abidjan. Cette réhabilitation concerne les 10 communes. Comme vous pouvez le constater, nous sommes à Yopougon. Donc aucune commune ne sera oubliée. Présentement, nous sommes à Port-Boué et les travaux avancent très bien. Alors, nous avons démarré à Nanéret. Après à Nanéret, présentement, nous sommes à Port-Boué. Nous avons démarré depuis le carrefour Port-Boué. Nous allons arriver jusqu'à la pharmacie Pélea. Donc, on a environ autour de 3 km de travaux de voirie réhabilitée déjà ici dans la commune de Yopougon. Nous sommes à un taux d'avancement d'environ 30%. Donc, je pense que nous sommes sur une bonne lancée. Voilà un peu. Bon, la voix qu'ils sont en train d'arranger, c'est bon à voir, ça va nous arranger de sortir sans problème. Et nous, on sort beaucoup, 5 heures, 4 heures, on est déjà dehors. Si la voix est bien goudronnée, ça nous arrange. Moi, c'est Moussa Kone, transporteur. Cette voie va beaucoup nous arranger. Ça nous permet aussi d'éviter plus d'embouteillages. Quitter au Kenya pour venir bosser Koudous, ça fait moins d'embouteillages. Merci encore au gouvernement, je vous remercie. Je me nomme Sekou Kone. Je suis résident du quartier Banco 2, juste en allant au Mouton. En tout cas, j'ai été très ravi depuis, je crois, quelques jours aujourd'hui. Je vois les agents d'Ageroute en train de faire un travail très, très colossal dans notre secteur ici. Et de Port-Boué 2 à Banco 2, nous sommes très, très heureux. Et je pense que dans quelques jours, quand ils vont finir, en tout cas, la circulation sera fluide depuis loin moins d'accidents. Parce qu'avec les nids de poulets hautes, il y avait tellement d'accidents. Donc aujourd'hui, je pense que ça sera un mauvais souvenir pour nous. Mais déjà, on est très, très heureux. Merci beaucoup.